بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ibn Kathir, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse du verset précité que ceux qui s'opposent à ses ordres prennent garde. Ces ordres font référence ici aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sa voie, sa méthodologie, son chemin, sa sunna, ainsi que sa législation. De là, tous les actes et les paroles sont comparés à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte et toute parole en accord avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera accepté, et inversement, tout acte et toute parole non conforme avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera rejeté, et ceci, quelle que soit la personne. La preuve de cela réside dans les recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, et dans d'autres, qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit un acte non conforme à nos enseignements, son acte sera rejeté ». La signification du verset est donc que ceux qui contreviennent publiquement ou en secret à la législation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde et craignent qu'une épreuve ne les atteigne, dans leur cœur, telle l'incroyance, l'hypocrisie ou l'innovation, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux, dans la vie d'ici-bas, comme le fait d'être tué, de subir une sentence, d'être emprisonné ou quelque chose de semblable. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Huraira qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها